baltringue, balance, poucave, cafeteur. Tous ces mots sont utilisés pour qualifier la délation, qui est très mal vue du grand public, mais qui est un outil très utile pour les enquêteurs. Et s'il y a un homme qui a valorisé les indiques, c'est bien Eugène François Vidocq. Dans l'arsenal que possède la police pour effectuer son devoir, il est une personne dont l'action reste encore floue, l'indique. Présenté par exemple dans la série Starsky et Hutch sous les traits de Huggy les bons tuyaux, on voit souvent l'indique comme un petit escroc ou malfrat au courant de tout ce qu'il se trame. Pourtant, la réalité est un peu plus complexe. En effet, on peut distinguer trois familles d'indiques. La première, celle des témoins de faits ponctuels, et la deuxième, celle des réguliers, comme les garagistes, armuriers, brocanteurs, même des maires. Ces deux familles, donc, sont bénévoles. La troisième est professionnelle, et donc rémunérée. Ce sont en général des petits voyous ou des repris de justice. En France, les indiques peuvent être rétribués depuis la loi du 9 mars 2004, dite loi Perben 2, par des paiements en espèces, nets d'impôts, par le ministère de l'Intérieur pour les policiers, ou par le ministère du Budget pour les douaniers, mais aussi par des remises de peine. Par cette même loi, les indiques sont immatriculés dans des fichiers qui recensent leur savoir-faire criminel et le service policier qui le gère, les affaires pour lesquelles on les a appelés, et leur rayon d'action. Ces fichiers sont regroupés dans le bureau central des sources, qui dépend du service interministériel d'assistance technique, le SIAT, service de la direction centrale de la police judiciaire. Avant, ils pouvaient recevoir jusqu'à 10% de la valeur de la saisie, drogue, argent. Cette pratique pouvant malheureusement aboutir à la mise en examen de policiers pour association de malfaiteurs. Il ne faut bien entendu pas confondre les agents infiltrés de la police DRG et de la gendarmerie et les informateurs. Ils ne font pas les mêmes tâches, bien qu'elles soient assez proches. Bien sûr, la nature du travail d'indique fait qu'il est difficile d'en appréhender les tenants et les aboutissants. Mais on pourrait commencer à y voir plus clair en se penchant sur la vie de celui que l'on considère être le premier des indiques, Eugène François Vidocq. Vidocq est né à Arras en 1775. Issu de la petite bourgeoisie de l'époque, il commence sa carrière, si on peut appeler ça comme ça, par de petits vols lorsqu'il est encore enfant. Il est grand et imposant pour son âge, ce qui lui facilite grandement la tâche. 1790, le 23 mars, première incarcération de Vidocq à l'âge de 15 ans, pour 10 jours au Baudet, à la demande de son père, à qui il avait soutiré de l'argent. 1791, le 10 mars, Vidocq est engagé dans le régiment d'infanterie des Bourbons. 1793, il est chassé de l'armée pour indiscipline à plusieurs duels sanglants. En 95, il passera son premier séjour à Paris. Ils seront ensuite à Cambrai et à Lille. Il sera alors condamné pour 3 mois de prison suite à une altercation avec un officier. Il fait là-bas la connaissance de Boitel, un agriculteur condamné à 6 ans pour vol. Le 24 novembre de la même année, Vidocq et 2 autres détenus aident Boitel à s'évader au moyen de faux papiers de libération. Boitel sera alors rattrapé et il dénoncera ses complices. Vidocq sera inculpé pour l'affaire Boitel. Entre ses 20 et 30 ans, il enchaîne des périodes de prison et d'évasion. Il se sert notamment de l'art du déguisement et du mensonge dans lesquels il excelle. Lassé de cette vie, en 1809, à 34 ans, Vidocq décide de proposer ses services à la police pour pister les criminels incarcérés sous de fausses identités, contre une remise de paix. Ironiquement, pour ses premiers services en tant qu'indique, il sera envoyé en prison. Donc, le 20 juillet 1809, Vidocq commence son œuvre à la prison de Bicêtre. Mais on n'a pas encore parlé des raisons qui l'ont poussé à proposer ses services à la police, et qui façonneront par la suite sa carrière. Il est temps de nous pencher sur les motivations de notre figure du jour. Peut-être par bluff, ou bien à cause de la sagesse de l'âge, cela est difficile à déterminer. Vidocq était à la fois menteur et loyal. Peut-être qu'il en avait assez de sa vie aventureuse, et qu'il voulait être utile. Peut-être qu'il voulait simplement être gracié. Si vous le savez, dites-le nous dans les commentaires. 1811, automne. Vidocq est le chef de la police de la sûreté. Il recrute et forme ses agents parmi les gens du milieu, prostituées, escrocs, voyous. Et il résolvera de nombreuses affaires. L'arrestation de Delsèze. L'arrestation de Delsèze me valut d'éclatants témoignages de satisfaction. Mais en même temps, elle ne fit qu'augmenter la haine que me vouaient les officiers de paix et leurs agents. Un seul, Monsieur Thibault, ne cessa pas de me rendre justice. L'affaire des diamants de Sénart. Monsieur Sénart fut au comble de la joie d'avoir retrouvé ses 100 000 écus de diamants. Fidèle à son système de rabais, il réduisit de moitié la récompense. Encore eut-on de la peine à lui arracher les 5 000 francs, sur lesquels j'avais été obligé d'en dépenser plus de 2 000.
je vis le moment où j'en aurais été pour les frais. 1818, 1er avril, Vidocq sera gracié par Louis XVIII pour sa condamnation pour faux. 1827, 20 juin, il démissionne de ses fonctions de chef de sûreté. Pendant cette période, il aura mené à l'arrestation de plus de 800 criminels. L'année d'après, Vidocq monte une manufacture de papier infalsifiable et d'encre indélébile à Saint-Mandé. Ses ouvriers sont d'anciens détenus, ce qui n'est pas du goût des gens de la région. Il exploitera sa fabrique jusqu'en 1832 et prend plusieurs brevets pour ses inventions. En octobre 1832, il publie le premier volume de ses mémoires. Vidocq sera rappelé officieusement par Casimir Perier, président du Conseil des ministres français. Il redevient officiellement chef de la police de la sûreté, mais le 15 novembre, il démissionne de la police définitivement. En 1833, à 58 ans, Vidocq crée le Bureau des renseignements pour le commerce. C'est le premier bureau de détective privé. Entre 37 et 38, la police, jalouse des succès de Vidocq, perquisitionne son domicile, son agence, sa papeterie et ses dossiers. À partir de là, Vidocq subit la pression incessante de la préfecture et va d'incarcération et relaxation. Il est obligé de fermer son agence de détective, ainsi il prend sa retraite et continuera quelques enquêtes en freelance. Il finit sa vie bien remplie le 11 mai 1857, à l'âge de 81 ans. Eugène François Vidocq, s'il n'est pas le premier à avoir songé à utiliser le milieu du crime pour combattre le crime, au moins est-il le premier à l'avoir officialisé dans les forces de police. 150 ans plus tard, le travail qu'il a accompli inspire toujours des solutions peu conventionnelles à des affaires compliquées. Mais Vidocq n'était pas qu'un indique. S'il est entré dans l'histoire du maintien de la paix, c'est tout autant pour ses capacités d'enquêteur et ses talents d'homme d'action. Si ses mémoires doivent être prises avec des pincettes, il révèle quand même un esprit fort et indépendant, ayant réussi à se hisser au plus haut en utilisant son expérience du plus bas. En commençant nos recherches, nous ne nous attendions pas à découvrir une vie si longue et remplie. Longue, car il est mort à 81 ans, ce qui représente, pour l'époque, un âge remarquable. Et rempli d'évasion, d'affaires résolues avec ingéniosité, de grâce du roi, ou encore d'amitié avec des notables de l'époque, notamment Honoré de Balzac. On peut dire que grâce à Eugène François Vidocq, l'Indique est un outil performant pour mener les enquêtes à bien.